Oasis. Merci bien. Combien de valises vous allez charger aujourd'hui? 10 000. Passeport pour le rêve. Mais ce n'est pas l'avion qu'ils prennent. Ce jour-là, en Floride, ils sont des milliers à embarquer pour une croisière dans les Caraïbes. Bon, on doit aller au pont 14. Parmi les passagers, la famille Stephenson, des Américains de Virginie. Vous êtes sûr que c'est par là? Première mission, trouver leur chambre dans un dédale de couloirs. Oh, regardez-moi ça! Wow. Et ce lit, comme il a l'air bien! C'est superbe! Vous savez, on a réservé depuis plus d'un an, dès qu'il était possible de faire une réservation. C'est fantastique! Voyons voir si on voit les autres. Hey Dan! Hey les amis! Regardez comme on est haut! C'est incroyable! On est là, au 14e étage. Il y a ceux comme les Stephenson qui consultent le plan pour ne rien rater. Et il y a ceux qui vident d'abord leurs valises, comme Monica. Elle est marchande d'art à Paris, c'est une habituée des croisières. Et elle aime être élégante, même en vacances. Alors, des chaussures habillées, par exemple, et puis des robes un peu plus pour le soir. Monica a déboursé 5 000 € pour une semaine dans cette mini-suite. Mais la décoration factice ne l'épate pas vraiment. On pourrait mettre une petite fleur, comme je vous disais, soit un astroméria, soit même une orchidée. C'est plus joli de toucher ou de savoir qu'une fleur est vivante. Et puis peut-être, si je suis toute seule, même une demi-bouteille de champagne français ou même américain, pourquoi pas, il n'est pas mauvais, de l'encens américain. Quelque chose d'un peu plus personnalisé. Ça, c'est vrai que je trouve ça pourrait être mieux. Une chambre sans fleurs naturelles, ni champagne. Mais peu importe. Monica voulait vraiment être de ce voyage, sur ce bateau hors norme qui ne fonctionne que depuis 2 semaines. L'Oasis of the Seas, c'est le paquebot de la démesure. 360 mètres de long, l'équivalent de 5 Boeing 747. Et 65 mètres de haut, un immeuble avec ses 16 ponts. À ce jour, c'est le plus gros paquebot du monde. Il peut accueillir jusqu'à 5400 passagers, 2 fois plus que le Queen Mary 2. Il appartient à une compagnie américaine, Royal Caribbean, et bat pavillon des Bahamas. Un monstre des mers dans lequel on se perd. C'est long ce bateau. 180. 162, 170. Et une fois séparés, pas facile de se retrouver. On va aller au... Les voilà, là, comme là, ici, là. C'est le petit groupe qu'on cherche. Ceux-là ont bien cru ne jamais se revoir de toute la semaine. 11. Ça faisait combien de temps que vous étiez perdu? 3 heures. 3 heures. Bah, depuis les consignes de sécurité. Depuis les consignes. Ils sont 11 sur le bateau. 4 générations. De l'arrière-petite-fille à l'arrière-grand-mère. C'est la famille Vaness. Ils sont venus spécialement de Tahiti. Premier pas à bord, sur la promenade royale du bateau. Ils sont visiblement impressionnés. On n'a pas l'impression d'être dans un bateau déjà. Ouais, on n'a pas l'impression. On a l'impression d'être dans un mall, un grand mall américain. C'est immense. Ça vous fait penser à quoi ici? À Las Vegas. À Las Vegas, ouais, en miniature. C'est une ville sur l'eau. Symbole des croisières du 21e siècle, où l'on bâtit toujours plus grand et plus délirant. À bord, pas moins de 6 piscines et de 13 jacuzzis. Pour Vanessa et Sébastien, la famille de Tahiti, c'est la première croisière. Elle travaille pour la sécurité routière, il est pilote de ligne, ils ont déboursé 1 000 € par personne. Ce sont leurs vacances de l'année. C'est le rêve. C'est le rêve. Qu'est-ce qui vous plaît là? On a tout à proximité, on peut tout faire, on s'ennuie pas, on peut rester 7 jours sur le bateau, il n'y a pas de monotonie, on ne fait jamais la même chose. Chacun il trouve son compte en fait, parce que et pour les enfants, et pour lui, et pour moi, il y a tout. Comme dans un club de vacances, les activités sont gratuites et certaines sont très inattendues. Comme cette attraction où tout le monde fait la queue. C'est une vague de surf à bord même du paquebot. Vous avez déjà fait du surf, vous, Sébastien? Oui. Oui, pas mal. Vivant à Tahiti, c'est le sport national. Le Tahitien est un pro de la planche, mais l'expérience va durer 6 secondes. Et pour d'autres, c'est encore plus spectaculaire ou plus violent. Mais il y a encore bien plus impressionnant à bord. Cette tyrolienne à 28 mètres de hauteur qui traverse le bateau. Ouais. C'était bien? Ouais, c'est bien. Ouais. Ça passe trop vite. Tu n'as pas le temps de réaliser que t'es si haut. Ouais, parce qu'on est quoi? 7-8 étages haut? Oui. Donc, il y a un strap pas trop confortable, mais c'est bien. Je te laisse ça? Parfait. Sylviane et Eric sont québécois. Ils sont venus sans leurs 2 enfants pour profiter de la semaine. Not on the ship. Not on the ship? Well, you'll like it. It's pretty fun. I'm sure. First, now you can say you zip line in the middle of the Atlantic Ocean. Fantastic. Just stand up. Okay, I'm okay. Yeah. Are you okay? Yeah. Yes. Fine. Cool. Wow. Ouais, c'est fun. Elle était comment? Comme d'habitude, fidèle à elle. Super. Fini l'image vieillotte des croisières. Pour attirer les familles et les jeunes, la compagnie a multiplié les activités. Il faut occuper les passagers pendant toute une semaine. Alors, à bord, il y a même un terrain de basket et un mini-golf. L'Oasis, c'est une ruche en perpétuelle activité. Mais au beau milieu du paquebot, il y a un endroit que tout le monde veut photographier. Un havre de paix au cœur de l'agitation, du vert au cœur du bleu. Au pont numéro 8, un jardin serpente entre les cabines. Un parc avec de vrais arbres. C'est une grande première mondiale. Tu peux enlever les feuilles sèches là-haut, s'il te plaît? Pour s'occuper du parc, la compagnie est allée jusqu'à recruter ce jardinier paysagiste, Laszlo Touros, un Hongrois. Vous voyez là, on a du poivre, que l'on utilise comme épice. C'est grimpant. Et là-bas, c'est de la cannelle. Au total, une centaine d'espèces. Il a fallu toute une batterie de tests pour s'assurer qu'elles allaient survivre dans le paquebot. Et un des endroits les plus sensibles, ce sont ces deux murs végétaux. Alors là, on pénètre dans les coulisses. On est derrière les murs végétaux. Vous voyez, on s'assure que le sol est assez humide. Parce que plus vous montez, du pont 8 au pont 12, plus le vent est fort. Et ça assèche tout. L'Oasis, avec son parc et sa vague de surf, est née dans l'imagination des architectes, bien loin du soleil des Caraïbes. C'est à 8000 km de Miami que le paquebot a vu le jour. Sous la neige de Finlande, dans les chantiers navals de Turku. C'est le plus gros et le plus cher bateau jamais construit. Un chantier de tous les superlatifs et des grandes premières. En faire perdre sens à tous les chiffres. Au final, un monstre de 225 000 tonnes, coût du chantier, près d'1 milliard d'euros. Une entreprise colossale, accomplie en 2 ans seulement et sans retard. Pour respecter ces délais, les cabines sont construites à 20 km de là, dans cette usine. Pendant que l'ossature du navire prend forme sur les chantiers, 150 cabines préfabriquées sont produites ici chaque jour. Le concept a été inventé par cet homme il y a 20 ans. On commence toujours les cabines par la salle de bain. Et quand la salle de bain est terminée, on construit les murs et les plafonds de la cabine qui l'entoure. Et dans la salle de bain, il y a un petit détail spécialement ajouté pour ce nouveau bateau. Ici, vous pouvez voir une innovation spécialement conçue pour les femmes. Elles peuvent mettre leurs jambes comme ça, pour se raser, en utilisant cette barre. Et ça n'existe que pour ce bateau. Une fois achevées, les cabines sont transportées par grue dans le paquebot, comme un gigantesque mécano. « 15 jours avant la première traversée, c'est par charter entier qu'arrive le personnel du géant des mers. » Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à Turku en Finlande et pour l'Oasis of the Seas. Mais pour être clair avec vous, tous les bateaux sur lesquels vous avez déjà été ne sont que des tout petits bateaux. Allez, bienvenue. Ils sont 2600 à rejoindre le bateau. Pour la plupart, ils viennent des autres navires de la compagnie, comme François Roux, un Français de 55 ans. C'est la première fois qu'il va découvrir le fameux paquebot. Alors François, première impression? Ah là, il est impressionnant, hein. La taille, là, vraiment, c'est incroyable. À bord, François est concierge. C'est lui qui va gérer les clients des 88 du bateau, les clients les plus riches. Pour les futurs passagers comme pour le personnel, les premiers pas ressemblent plutôt à une course d'orientation. Alors ça doit être par là, pont 12, aft. Alors là on doit être au... Ça doit être la mezzanine du concierge. Là. Chez quoi ouais. Ben là, je cherche mon bureau parce que je ne sais pas où... Ben si, je vois concierge lounge, donc on doit être... on est chaud, là. Alors, stop, c'est ancré, do not enter, mais on doit quand même pouvoir entrer. Ah, ben voilà. Ah là, c'est disons, c'est grands travaux, là. L'ambiance n'est pas encore feutrée, mais bientôt, la moquette épaisse et les fauteuils en cuir feront de la loge de François un lieu VIP très couru. pour accueillir les personnels, un autre Français, François Ouachet. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Vous venez d'où? De partout? Vous allez travailler dans quel secteur? Les restaurants? Bienvenue, bienvenue. François, c'est le directeur de l'hôtellerie du bateau. Il n'a pas moins de 2000 personnes sous ses ordres. Et ils ont 15 jours pour se connaître. L'objectif, c'est que les passagers aient la perspective que le navire a été ouvert pour les 10 dernières années et que notre personnel connaît tout. C'est une chorégraphie qui doit être naturelle à la fin, c'est l'objectif dès aujourd'hui. Le personnel, c'est un peu une map monde miniature. Il y a 79 nationalités à bord. Vous venez d'où? I come from Portugal. Trinidad and Tobago. In South Africa. Hi, I'm from England. I'm from India. China, Shanghai. Finition à tous les étages, à quelques jours de la première traversée. Un accent particulier est mis sur la sécurité. Il y a des portes coupe-feu pour isoler des compartiments entiers du bateau. Et avec près de 8000 personnes à bord, il a fallu penser à tout. Et bien sûr, à une éventuelle évacuation. Ici, vous pouvez voir une des chaloupes. On a 18 de ces chaloupes qui sont les chaloupes qu'on a réalisées spécialement pour ce navire compte tenu de la capacité du navire. Elles permettent d'accueillir jusqu'à 370 passagers en quinconce sur 2 niveaux, ce qui est assez impressionnant quand on met 370 personnes au même moment. On vit avec le syndrome du Titanic quand on fait des croisières. C'est certain, le Titanic est toujours dans l'esprit des gens quand ils font une croisière. Tout le monde est entraîné régulièrement et une grosse partie de ce qu'on fait technologiquement est basée sur la sécurité. C'est une performance technique dont les futurs passagers auront à peine conscience. Dans les Caraïbes, après 48 heures de croisière, tout le monde a trouvé ses repères. Les passagers, les transats, et François, sa loge de concierge. Bonjour, ça a été votre petit déjeuner? Il a un mot attentionné pour ses clients des suites. Il connaît toutes leurs petites manies et use de son autorité pour leur obtenir quelques passes droits. Bonjour, c'est François. Combien y a-t-il de personnes sur la liste d'attente pour le restaurant? J'ai quelqu'un qui est dans une suite. Il devrait être prioritaire. Vous pourriez le mettre en tête de liste? Monsieur, c'est quoi votre numéro de suite déjà? Pardon? Votre numéro de suite. 11 640. 11 640. C'est 2 personnes. Merci beaucoup. Bon, ça y est, vous êtes premier sur la liste, donc... Excellent, merci beaucoup. Et ce jour-là, François a une très bonne nouvelle à annoncer à l'une des passagères. Madame Peradji, j'ai quelque chose à vous offrir. Voilà, on peut changer votre suite. Oui. C'est pour l'élégante Monica, qui n'était pas très contente de sa cabine. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Une fois que j'aurai vu la suite et qu'elle est vraiment bien, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez envie de changer de chambre? Je trouve ma chambre un peu triste, oui. Alors voilà la suite. Ce que François veut proposer à Monica, c'est cette suite, bien plus spacieuse que sa cabine actuelle. Mais très vite, il y a un problème. Le balcon fait face au terrain de basket. Alors il y a un peu de bruit. Bon, le soir... Mais enfin, vous voyez, vous avez un peu tout. Vous avez la boardwalk, vous avez la piste, l'aquatheater. Ça vous fait peur un peu le bruit, là, Monica? Oh, ben oui, parce que si on prend une croisière, c'est pour se reposer. Donc là, il y a des gens, c'est logique, c'est animé. Mauvaise pioche. La cliente n'est pas convaincue. Mais pas question qu'elle reste insatisfaite. François doit donc lui trouver une autre suite. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus tranquille. Ah, oui, si je peux changer, oui, je vais juste regarder un petit peu d'œil sur la salle de bain, c'est important. Et puis un walk-in. Alors là, vous avez au moins une baignoire, là, que oui, vous n'avez pas. Vous avez, oui, le closet, il est quand même assez spacieux. Grand, hein. Oui. On peut mettre ses chaussures là. Voilà. Un grand dressing pour toutes ses robes. Et une vue imprenable sur la mer. Cette fois, c'est sûr, Monica va déménager. Bonjour monsieur, on peut entrer? Bien sûr, absolument. Mais il y a encore bien plus beau que la suite de Monica, la suite royale de Monsieur et Madame Birch. Un appartement de 141 mètres carrés, c'est la plus belle suite du bateau. Le salon est incroyable. Et la bibliothèque, on n'a même pas à aller à celle du bateau, on a tout ici. C'est vraiment très beau. C'est comme être chez soi. C'est confortable, les chaises, les canapés, tout est confortable. Et la vue, il y a plein de choses à voir. C'est vraiment une suite incroyable. Meubles design et grande baie vitrée. Mais ce n'est pas tout. Vous voulez voir aussi en haut? Un loft qui s'étend sur 2 étages. C'est unique au monde sur un bateau de croisière. Un très grand lit. Un home cinéma. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est ce bouton, regardez. Ah, super. On n'appuyait pas sur le bon bouton. Mais ce qui fascine le plus Monsieur Birch est à l'extérieur. Cette terrasse de 40 mètres carrés. Regardez-moi ce canapé. Et ce n'est pas fini. Il y a encore mieux. Monsieur et Madame Birch dirigent un cabinet d'expertise comptable en Floride. Cette suite vaut 26 000 € la semaine. Une petite folie. Mais à ce prix-là, il y a un bain à remous privé face à la mer. Mais c'est un jacuzzi. Oui. Vous avez essayé? Pas encore. Mais on va le faire. Et le clou est à l'intérieur. Ce piano mécanique. Mais ni François ni Monsieur Birch ne savent comment il fonctionne. J'aurais besoin de mes lunettes. Voilà. Musique. Regardez, le clavier joue tout seul. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et c'est très lourd. Vous aimez ça, Monsieur Birch? Oui, absolument. Encore faut-il savoir l'arrêter. Et vous savez comment l'arrêter? Vous savez comment l'arrêter? Non. Stop. Oh, il faut juste appuyer sur stop. Qu'ils soient logés dans la suite royale ou dans une simple cabine, les passagers peuvent aller où bon leur semble dans le bateau, dans tous les quartiers de la ville flottante. Un des plus prisés, c'est la promenade royale, avec ses néons, son bar ascensionnel et surtout tous ses commerces. Car tout est fait aussi pour faire dépenser les passagers. On y vend de tout, des vêtements, de la technologie, des alcools et des bijoux. Mais là où les passagers dépensent le plus, c'est au casino. Au détour des machines et des tables, nous avons retrouvé Monsieur Birch. À Carredas! J'ai gagné 180 €. Dès qu'il le peut, Monsieur Birch descend jouer au vidéo-poker. Pour une croisière d'une semaine, j'apporte avec moi environ 11 000 € pour jouer. Je viens de regagner 180 €. Génial! Tant que je gagne, je continue de jouer un bon moment. Et puis si je commence à perdre constamment, bah, je vais au lit. Demain est un autre jour. C'est plutôt une bonne soirée jusque-là. Au petit matin, la terre est en vue. 3 escales sont prévues dans la semaine. Dans le poste de commandement, silence à bord. L'arrivée au port est toujours un moment crispant. C'est Bill Wright qui est à la tête du monstre des mers. Cela fait 6 ans qu'il commande les plus gros bateaux de la compagnie. Vitesse de croisière, 43 km/h. Ordinateur, caméra, tout est désormais informatisé. Et voilà ce qui permet de manœuvrer le plus gros paquebot du monde. Une des choses que les passagers pensent, c'est que la barre pour manœuvrer le plus gros paquebot du monde doit être la plus grosse du monde. Eh bien, c'est juste ça. C'est un tout petit volant et ça suffit pour manœuvrer avec précision et en toute sécurité le paquebot. Un volant de la taille de celui d'une Formule 1 pour un bateau de 360 mètres de long. L'escale du jour, c'est Saint-Martin, une île confetti dans les Caraïbes, à 250 km de la Guadeloupe. Des plages paradisiaques et un mercure au-dessus de 25 degrés, même en hiver. L'île est divisée en deux parties. Le nord est un territoire français, le sud dépend des Pays-Bas. L'Oasis va s'arrêter ici 8 heures. Certains passagers ont réservé des excursions et les agences locales viennent les prendre en charge dès la sortie du bateau. Pendant que les passagers sont à terre, le bateau se refait une beauté. Peinture, nettoyage et petits réglages. Je ne peux pas le faire quand on est en mer, car ça bouge trop et il y a des embruns. Là, c'est le meilleur moment. Sur le pont numéro 3, l'homme qui marche d'un pas décidé est le responsable de l'environnement. Car l'escale est aussi le moment où les déchets du paquebot sont déchargés. En une semaine, les 5400 passagers produisent 100 tonnes de déchets. Et chaque sac est soigneusement trié. Vous voyez, à chaque fois qu'on récupère une poubelle dans une cabine, l'employé vient ici. Il ouvre le sac, il met les canettes en aluminium ici, les bouteilles là, et les canettes en acier ici. Et tout ce qu'on peut brûler va dans l'incinérateur. Même pendant les escales... Allô, Capitaine François. François, le directeur de l'hôtellerie, reste à bord, car l'activité ne s'arrête pas sur la ville flottante. Tout va bien dans le parc? On a même des oiseaux. Allez, à plus tard. Il parcourt 15 km par jour dans les couloirs du bateau à la recherche du moindre détail qui cloche. Bonjour, comment ça va? On peut entrer? Vous êtes en train de faire la chambre? Qu'est-ce que vous faites là, François? Je fais l'inspection de cabines, c'est une chose que je fais très régulièrement, presque tous les jours, voir quelques cabines pour me rendre compte de l'état général des cabines. Chaque employé a entre 16 et 20 chambres à faire 2 fois par jour. Et le contrôle de François se veut très scrupuleux. Je regarde la poussière et ce qu'il peut y avoir également sous le lit. C'est le genre de détail auquel on fait attention. Les gens viennent et ils veulent avoir une cabine en parfait état, sans poussière et sans papier sous le lit. L'équipe fait un bon travail avec ça. Et là, au-dessus du cadre? Et au-dessus du cadre aussi. C'était parfaitement propre. Au détour des couloirs, François Ouachet est interpellé par une famille française. Ils en sont à leur 14e croisière avec cette compagnie. Et cette fois-ci, ils ne sont pas contents. Et on se retrouve dans une cabine, quand j'arrive, j'ouvre, pas de hublot, rien, c'est le noir total. Alors là, je ne vous dis pas. C'est une cabine sans hublot? Sans hublot. Sans hublot, sans hublot. Qu'est-ce que vous aviez réservé? Eh bien, on avait réservé avec balcon, avec vue sur le Central Park. Là, voilà notre chambre. Petite chambre, maman. La famille Elisabeth vient de Fort-de-France, en Martinique. Voilà. Et ça vous plaît pas alors? Non. Non, elle est petite. Elle est petite, il n'y a pas d'ouverture. Quand il y a même un hublot, on a le soleil qui rentre, on sait, bon, le jour va se lever. Mais là, non. Alors, je me réveille tout le temps pour regarder l'heure. J'ai même acheté un réveil aujourd'hui pour le faire sonner parce que... Oui, j'ai acheté un petit réveil aujourd'hui pour le faire sonner. Pour au moins savoir quelle heure il est. Pour savoir, parce que le jour du débarquement, on risque d'être en retard. Ils ont déboursé 3 500 € pour trois. Voilà. Et une fois le canapé déplié, pas facile de bouger. Sur un bateau, une cabine, c'est tout. C'est déjà en ouvrant la porte de la cabine, c'est déjà tout, c'est déjà une partie du rêve. Là, en ouvrant, ça nous a cassé. Même s'il y a tout sur le bateau, à chaque fois qu'on revient là, on se dit, mais mince, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Le lendemain, après intervention du directeur de l'hôtellerie, la famille Elisabeth sera changée de chambre. Mais parfois, le personnel doit faire face à des demandes beaucoup plus étonnantes. Et justement, François le concierge a une urgence. Vous allez où là, François? Alors là, je vais rencontrer un danseur. Nous avons une cliente qui nous a demandé de lui trouver un danseur de tango. Et je vais retrouver la personne. Ça vous arrive souvent d'avoir des demandes un peu saugrenues comme ça? Danseur de tango, c'est la première fois. Hein. C'est quelque chose, oui, assez inattendu. François a dû appeler à la rescousse des danseurs travaillant à bord du bateau. Hi guys, how Salut les gars, comment allez-vous? Vous êtes Derek? Moi je suis François. Je suis désolé pour tous ces coups de téléphone. Mais nous avons eu cette demande inhabituelle, comme vous le savez. Je pense que la dame nous attend dans ma loge de concierge. Et les danseurs de tango, c'est pour Monica, la marchande d'art de Paris. Monica, je vous présente Derek qui est donc danseur. Monica, Derek est marchande qui est le dance captain. Nice to meet you. Nice to meet you too. You are a tango dancer? Ballet dancer. Ballet dancer. We go there? Ça vous fait plaisir, Monica? Oui, je pense, j'espère. Il a l'air la forme d'un danseur. Bah oui, c'est... On essaye? We try? Yes, ok. We start here. Yes. Un tango improvisé sur le plus grand paquebot du monde. First of all, you seduce me. You are here, I am here. And to show you me. Okay. After that, I come to you. It's a passion, and we pam 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 pam. You took me, passionate, here. La passagère est en fait une danseuse très avertie. Et selon elle, le cavalier n'est pas vraiment à la hauteur. Okay. Je pense que ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas danser. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas danser. Monica est déçue, mais Derek, le danseur, a une solution. What do you say? I know someone that can do tango with you. Yes? On the ship. Oh, I will be. So happy. Okay. Thank you. Okay. What is the name? He's from Argentina. Un deuxième danseur de la patrie même du tango. Seulement, Monica va aussi le congédier très vite. Vamos a tener una revancha. Una revancha para el próximo año. Comment ça s'est passé, Monica? Ah ben très intéressant. Très intéressant. 3 danseurs vedettes et un argentin qui ne danse pas le tango. Monica ne dansera pas ce soir. Le soir, le paquebot se métamorphose en une boîte de nuit géante. Et pendant que les passagers s'amusent, les petites mains du géant s'activent. La nuit, c'est le grand nettoyage. Un balai d'aspirateurs et de chiffons. Les parties communes sont nettoyées chaque jour. Tout doit être impeccable quand les fêtards se réveilleront. Au pont zéro, en dessous du niveau de l'eau, il y a une pièce où le travail ne s'arrête jamais, la blanchisserie. Ici, les employés se relaient 24 heures sur 24. 6000 serviettes sont lavées à bord chaque jour. La blanchisserie, c'est le domaine des Indonésiens. En une semaine, les hommes en blanc ne croiseront jamais les passagers, ni le soleil des Caraïbes. La majorité des employés du bateau vient du sud-est de l'Asie, comme Calib, un Philippin de 39 ans. Calib, à quelle heure vous commencez le travail? À 7 heures. 7 heures du soir? Oui. C'est l'entretien. Et jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8 heures du matin. Bonjour. Il n'y a personne? Calib est ce qu'on appelle pudiquement un équipier de nuit. Il est plombier. 11 ans qu'il travaille pour la compagnie. Calib reste très discret sur son salaire, mais c'est mieux que ce qu'il gagnait au pays, dit-il. Cela fait 6 mois qu'il n'a pas vu sa femme et ses 2 enfants. Elle est où, votre famille? Chez moi, aux Philippines. Et c'est pas trop dur de vivre sans eux? Aux Philippines? Non, je veux dire, c'est pas trop dur de vivre ici sans eux. Ouais, c'est dur, mais j'ai pas le choix. C'est mon boulot. Calib vit ici comme les autres employés de l'Oasis, au pont numéro 3. Là où les passagers ne vont jamais. Comment est-il hébergé? La compagnie ne nous a pas autorisé à filmer les cabines des personnels. « 6 heures du matin, François le concierge est déjà sur le pont. » Alors voilà, c'est un moment très privilégié le matin, aux premières heures, de pouvoir marcher sur le pont et puis un peu s'oxygéner. Parce que toute la journée, on est un peu fermé dans les bureaux, alors de sortir, il n'y a personne. Les gens se lèvent en général un peu plus tard, vers les 8 heures, donc là, c'est vraiment idéal. François travaille 7 jours sur 7 pendant 6 mois. Avant de prendre 2 mois de congé en France. Il gagne 2300 € mensuels, auxquels viennent s'ajouter les pourboires. Il ne paie pas d'impôts. C'est une vie apparemment sans souci, mais pas facile pourtant de se faire des amis. Il est dur de rencontrer quelqu'un, une âme sœur, si vous voulez, quelqu'un avec qui vraiment on sympathise. Tout le monde est très occupé. Vous vous sentez seul parfois? Oui, c'est assez seul, oui, très seul. Parce que, bon, on a quand même des amis en France ou à l'étranger et oui, on se sent isolé. Alors, heureusement, avec Internet, bon, le téléphone, on peut quand même communiquer pas mal, mais c'est pas toujours facile, si vous voulez. C'est une vie assez, oui, c'est une vie solitaire, si vous voulez. Vanessa et Sébastien, le couple de Tahiti, se sont levés tôt également. Ils continuent à tester toutes les activités à bord. Même les plus vertigineuses. Qu'est-ce que vous allez faire là? On va essayer de faire quelque chose avec ça. On va faire du snorkeling. On va faire de la... Comment ça s'appelle? De l'escalade. Un mur d'escalade, à bord même du bateau. You done this before? No, never. Never. Very, very simple. Never. You've been up a ladder. You've climbed a ladder? Yeah. Same principle. We're going to put one arm up, move his feet. Okay. Stand up straight, one arm. Okay. Stand up straight, okay. One arm. Okay. Okay? You're good to go. Which colour? Let's try the purple and the blue mix. Very good, Vanessa. C'est dur, Sébastien. C'est dur? Ouais. Attends. Lâche pas. Ouh, je suis tétanisé, là. Putain, tu t'en sors bien, chérie. Non, non, your rope in front of you. Let go of my rope. Hey, you will get hurt. Let go of my rope. Okay. Non, il te tient, lâche. La première au sommet, c'est Vanessa. En fait, c'est pas un sport de chochotte, hein? C'est pas de tout repos, les vacances. Non. Sébastien, lui, est toujours sur le mur. Pousse tes jambes, voilà. Putain. Ouh. Putain, j'ai les bras tétanisés, enlève un peu mon casque. À ce point-là? Ouais. Parce qu'en fait, tu sais ce que tu faisais? Tu faisais ça et tu poussais dessus. Chérie, on n'a pas le même parcours. C'est la même chose. Non, pas du tout. C'est la même chose. Ah, c'est pour ça que les filles, ils font que le rouge. Non, non, regarde le mec, il fait du rouge. Ouais, mais c'est un vieux, gros. C'est pas parce que je suis arrivée devant toi que c'est pas la même chose. C'est vrai, t'es une championne. Sébastien n'est pas vraiment bon perdant, mais il pourra aller récupérer en famille à la piscine. Sur le pont, les passagers profitent du soleil, car le lendemain, l'Oasis retrouvera son port d'attache en Floride. Fin du voyage déjà. 15 millions de personnes ont choisi de faire une croisière l'an dernier. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et depuis quelques mois, les bateaux ne désemplissent plus. Les croisières seraient un remède contre la crise et la morosité. Une semaine où tout le monde se lâche. Hey, la soirée, elle, sera beaucoup plus habillée. Dans les cabines, tout le monde se prépare. Hein? Ouais, c'est parfait. Magnifique. Ouais, très belle. C'est un rituel des croisières à l'ancienne. Ce soir-là, c'est le dîner du commandant. C'est sympa. C'est important d'être belle, ce soir? Mon mari, oui. Pour le commandant? Oh non, à mon avis, je ne vais même pas le voir, donc... Non, oh, je rectifie, il ne va même pas me voir. La soirée est importante et tout le monde doit être à la hauteur. La pression commence à monter, là, François? La pression commence à monter pour l'équipe, oui, c'est la préparation. Dans les restaurants, c'est comme au théâtre un peu, hein, on se prépare pour la représentation, c'est la représentation du service. Alors il y a le travail en coulisses pour les cuisines et le théâtre de vie pour le restaurant. Alors, ambiance solennelle et cuisinier au garde à vous. Avec le chef, François goûte tous les plats qui seront servis ce soir. Bonsoir, messieurs. François, prêt à goûter? Oui, merci beaucoup. Vous en avez préparé combien de l'agneau ce soir? 1200. 1200 assiettes d'agneau, pour ce soir seulement. Car l'Oasis, c'est un peu gargantua. 150 tonnes de nourriture sont embarquées chaque semaine. Le chef, c'est Ivo, un Allemand, et il a accepté de nous montrer ses réserves. Vous voulez voir le stock? Alors là, ce sont toutes les pommes de terre. Pour le bateau, nous avons besoin de 5 à 10 tonnes par semaine. Ça vous donne une bonne idée des quantités. Comme les pommes de terre, l'essentiel de la nourriture servie à bord, c'est du frais. Des fruits, des légumes, qu'il faudra savamment gérer tout au long de la semaine. Pour la viande et le poisson, c'est beaucoup plus simple. Good evening, Norman. How are you? This is our butcher shop. Ici, c'est la boucherie. On a 8 bouchers qui travaillent à bord. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'à bord, vous ne pouvez pas avoir de la viande fraîche. Donc les poissons et la viande sont surgelés. Pendant ce temps-là, sur la promenade royale, c'est une autre ambiance. Champagne à volonté et tout le monde sur son 31. C'est un concours de décolleté et de talons aiguilles. La soirée où il faut être absolument vu dans la semaine. On fait même la queue pour être pris en photo avec le commandant. Comme ces 3 Brésiliennes visiblement enchantées. Vous en êtes à combien de photos ce soir? J'en ai pas la moindre idée. Et comment vous faites pour garder toujours le même sourire? Je ne sais pas, mais c'est toujours un plaisir pour moi. Et le sourire du commandant a conquis les groupies. Alors il était comment le commandant? Il est super. Il est très bien, très bien. Vous avez eu le temps de lui demander son prénom? Mon prénom à moi? Non, non, le commandant, vous avez eu le temps de lui demander son prénom? Non, on ne l'a pas fait. On a été trop timide. We have one table for you, everybody, okay? Okay. We have one table for you. Okay, thank you. Bon appétit. Bon appétit, merci. C'est une salle à manger sur 3 étages. 2800 personnes sont attendues ici ce soir. Un dîner avec le lustre des croisières d'antan. Mais en cuisine, c'est une autre valse, celle des assiettes. Can you please stay? You stay in the line. Give me one medium rare, give me one medium. Give me one medium well, one medium. One medium well, one medium. À la table du commandant, les invités ont été sélectionnés parmi les clients les plus fidèles. Des privilégiés qui font des envieux. C'est bien ce que je dis. Moi, je vais le voir, mais lui, il va pas me voir. L'ancre est jetée. Dernière minute à bord. Eric et Sylviane vont bientôt retrouver les -7 degrés du Canada. Ce fut ce jour qui a passé très rapidement. On n'a pas vu le temps passer. Trop court. Pour la famille Vanesse, la destination est plus exotique. Ils repartent pour Tahiti. Et c'est l'heure des comptes. 340 €. En plus de votre réservation. Voilà, je quitte pas. 340 € en boissons et achats à bord. C'est un tiers du prix de leur cabine. Mais c'est sûr, ils reviendront. C'est exceptionnel. Comme j'ai dit, c'est à refaire. Dans 2 ans, on refait ça. Tu vas économiser d'ici là? Voilà. Quant à l'élégante Monica, elle n'a finalement pas trouvé un bon danseur de tango, malgré le nombre de passagers à bord. et elle n'est pas sûre de revenir dans un bateau aussi gros. Les croisières, c'est très bien, c'est une démocratisation du tourisme. On parle avec tout le monde, on comprend mieux les uns les autres. Mais le nombre de gens ici implique, bien sûr, pour moi, c'est un peu beaucoup. Et le nombre se voit même au débarquement. Mais heureusement pour elle, Monica est toujours accompagnée de François, le concierge. Et son traitement privilégié vaut jusqu'au parking. Monica, oui. Vous êtes en train de passer devant tout le monde là? Je ne passe pas devant tout le monde, je suis le chef. Je suis le chef. À la fin de l'année, la compagnie commercialisera un nouveau paquebot de la même taille que l'Oasis. Un autre bateau de la démesure, pour satisfaire la demande toujours plus grande de croisière. Préparez votre carte du bateau. Il y a 2 files et bonne journée. Et dans combien de temps arrivent les prochains passagers ? Dans 2 heures, 2 heures et demie.